La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque Page. Bienvenue dans Marque Page, l'orangerie de Larry Tremblay, c'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Joanne Schaffer de Payot Libraire. Bonjour Joanne. Bonjour. On part à la rencontre d'Aziz et d'Ahmed. Oui, Aziz et Ahmed sont deux frères jumeaux qui vivent au Moyen-Orient. On ne sait pas le pays exactement, c'est le choix de l'auteur, vu certainement ce qui se passe actuellement dans le monde ou simplement un choix. Et ils vivent en fait dans un orangeret familial où ils sont épanouis, où ils vivent heureux avec leurs grands-parents et leurs parents. Ils sont très différents, l'un est plus costaud, l'autre est plus faible, donc ils apprennent à se protéger l'un l'autre dans cet orangeret. Et un jour, enfin, vu que c'est un pays au Moyen-Orient, on peut penser qu'il y a des conflits, et c'est ce que en fait, l'auteur nous apporte dans ce livre, la famille est victime en fait, d'un attentat, les grands-parents meurent dans une explosion. Et un voisin, enfin, suite à ce drame familial, un voisin va venir chez eux et va leur dire « il faut que vous réclamiez vengeance ». Pour eux, ils ont toujours été ensemble. Pour eux, ce n'est pas possible de prendre les armes et y aller. Ils sont très à cheval sur les convictions familiales, sur la religion. Pour eux, ce n'est pas possible d'aller se battre. Mais cet homme, il est insistant, il revient tout le temps. On ne sait pas pourquoi, au fil des pages, il revient tout le temps. Il a une espèce de puissance comme ça. Et finalement, il dit au père qu'il faudra aller se battre, mais pour sa conviction. Et puis, il faudra sacrifier quelque chose dans sa famille. Et au milieu de tout ça, les deux frères jumeaux vont être victimes, en fait, malgré eux, de cette guerre. Ils vont être confrontés à la conviction, à l'amour de la religion du père, qui est plus forte, en fait, que l'amour de leur famille. Toutes des choses, finalement, qu'on ne penserait pas, enfin, qui sont surprenantes, mais qui sont très actuelles, notamment... qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à nos croyances, jusqu'où on pourrait aller pour notre famille, des choses, enfin, tout ce que l'autre. Une question extrêmement actuelle, justement, mais en même temps, hors du temps. Merci beaucoup, Joanne. Marque-page, c'est terminé. Mais on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures littéraires. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque Page.